Alors Dominique, tu as suivi la formation Les 7 clés de la réussite et comme ça t'a plu, tu as souhaité faire un retour d'expérience aujourd'hui. Tu l'as suivi il y a assez longtemps, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce que ça t'a apporté, dans quelle situation tu étais avant, dans quelle situation tu es aujourd'hui et qu'est-ce que vraiment concrètement ça t'a apporté dans ta vie quotidienne. Donc merci à toi de vouloir faire ce témoignage, c'est vraiment essentiel pour moi et puis pour toutes les personnes qui vont le regarder. Est-ce que tu pourrais commencer du coup par te présenter, nous dire quel âge tu as, quelle est ta profession, etc. Certainement. Alors, eh ben, je m'appelle Dominique, j'ai 58 ans et quelle profession? Ben, je faisais quand j'ai commencé cette formation, eh ben, j'étais demandeur d'emploi D'accord. et j'étais dans une situation très particulière puisque j'étais ben, très 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 dépressif, ça n'allait pas du tout. Et j'ai décidé de taper un grand coup de fer et de suivre donc cette formation qui me semblait être bah, tout à fait ce que j'avais besoin. J'ai suivi cette formation, elle m'a apporté ben, tout plein de bonnes choses et surtout remis le pied à l'équilibre. Aujourd'hui, ben, je suis hypnothérapeute, D'accord. c'est grâce à cette formation. J'ai pu faire à travers cette formation donc eh ben, comment dire un projet de vie auquel eh ben, j'ai pu me tenir. J'ai pu lister eh ben, tout ce qui faisait que toutes les questions auxquelles eh ben, j'avais du mal à répondre. J'ai pris comme Mathieu nous l'enseigne ça comme un voyage en bateau. Et oui. Et ça m'a permis de découvrir mon mantra, ça m'a permis de savoir qui j'étais plus profondément à l'intérieur de moi, sans trop me poser de questions, mais en suivant eh bien, parfaitement le descriptif de ces cours, qui sont vraiment très faciles à suivre, hein. Il suffit juste de se laisser aller et d'être très honnête avec soi. Au fur et à mesure du temps qui passe, eh ben, j'ai pu mettre des dates, poser des jalons de manière à pouvoir avancer dans la vie. Par exemple, eh ben, au niveau des dates, eh ben, j'avais noté à l'époque que au mois de le 29 juillet 2017, c'était quelque chose de très précis, qu'il fallait que je sorte de la déprime. J'en suis sorti. Le 29 septembre 2017, il fallait que je sorte définitivement de la déprime. C'est à la date à laquelle je suis sorti de la déprime, grâce justement à cette formation. D'accord, Le premier des. juste pour savoir, la date que tu viens de dire, tu l'avais notée combien de temps à l'avance, à peu près? Eh bien, je l'ai noté ben, en faisant, ben, en suivant les cours, justement, en suivant tes cours, et en. C'est au moment où tu sais, dans la formation, à un moment, tu demandes qu'on doit définir des jalons, poser des dates qui correspondent à des dates précises auxquelles tu peux mesurer ton coefficient d'avancement. C'est ça, Hein? exactement. Hein? Voilà. Et ben, j'ai pu déposer des dates tout à fait précises. Bon, ça paraissait très utopique parce que bah, tu Bien te dis, sûr. bah oui, je vais poser des dates. Et puis, tu reviens un an après sur les dates sur lesquelles tu as posé tes objectifs et tu t'aperçois que soit tu es à l'heure ou soit tu es légèrement en avance. Et ça, c'est juste magique. C'est juste magique. C'est, tu vois, le jalon numéro 1, bah, j'en reviens. Hein. Le jalon numéro 1, c'était bah, le 29 octobre 2017. J'ai bien dit 2017. Hein. Oui. C'était sortir définitivement de la dépression. J'en suis sorti Là, à alors ce moment-là. pour les gens qui regardent la vidéo, je précise qu'on est le 1er novembre 2018 quand on enregistre cette vidéo. Donc là, on Oui. parle de quelque chose qui s'est passé il y a un an et que tu avais planifié encore avant et qui s'est produit comme tu Oui. le voulais. Et tu as peut-être d'autres Tout à exemples fait. du coup à partager, je te laisse continuer. J'ai d'autres exemples à partager. Le jalon numéro 2, eh ben, c'était que j'avais noté que le 1er décembre 2017, eh ben, il fallait que je m'inscrive dans une école spécialisée pour apprendre l'hypnose, puisque c'est ce que je voulais faire. Je suis rentré dans cette école le 8 janvier 2018. Donc, eh ben, Wow. un mois après, c'est quand même magique. Ouais. Hein?
Le jalon numéro 3, c'est le 1er juillet 2018. Eh bien, il fallait passer la compétence d'hypnose. Je l'ai passé le 30 juin 2018. Wow. C'est magique, c'est juste magique, Ouais. hein. Le jalon numéro 4, eh bien, c'est que le 22 octobre 2018, donc c'était avant-hier, hein, Ouais. j'avais marqué, ben, qu'il fallait que je l'applique. Eh bien, je l'applique quand même depuis fin juillet, hein. Donc là, beaucoup d'avance. J'ai beaucoup d'avance. Et mon cinquième jalon, c'est au 31-12-2018, c'est ouvrir mon cabinet et je suis déjà opérationnel. C'est déjà ouvert. Je suis déjà ouvert Donc et j'ai déjà des c'est ce clients. qu'on voit dans la formation, c'est que quand on commence à attirer les choses à soi et à matérialiser vraiment cet état d'esprit de la réussite dans la réalité, en fait, ça Oui. va de plus en plus vite, quoi. Tout à fait. C'est ça Tout à fait. qui est super. Et ce que j'adore avec ton témoignage, c'est que bah, on t'es pas en train de parler d'une formation que tu viens de suivre. Ça fait des années en fait que tu l'as suivie maintenant. Oui. Et si j'ai bien compris, tu continues d'appliquer toujours cet état d'esprit et de continuer de créer des choses dans ta vie qui pour la plupart des gens pourraient paraître totalement impossibles finalement ou compliquées. Ça dépend des gens. Et toi, tu l'as fait. Donc, pour résumer, t'es passé de donc t'étais dans une dépression grave, c'est ça? Enfin, importante si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Bah, j'avais subi, bah, pour faire court, j'avais subi un deuil, un divorce. D'accord. Un abandon total de mon milieu professionnel. J'ai été obligé de partir de mon travail. Et puis, pas le moral. Pas le Ouais. moral. Mais évidemment, dans une dépression, on n'a pas le moral, hein. Bien sûr. J'ai décidé de suivre cette formation qui, à mon sens, eh ben, était le seul moyen pour moi de pouvoir, justement m'en sortir. Et j'y croyais pas du tout au départ. Et puis, il faut bien se rendre à l'évidence que, hein, faut bien se rendre à l'évidence. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, je le sais parce que je le vois quand je discute avec toutes les personnes qui suivent cette formation, qui la suivent un peu en désespoir de cause et qui ont du mal à y croire en fait. C'est très difficile à croire que ce soit possible. Et C'est je ça. suis tellement, enfin, tellement content de voir qu'il y a des gens comme toi qui passent à l'action et qui prennent le temps ensuite, des années plus tard, de revenir me voir pour me dire « Mathieu, ça a changé ma vie, je veux le partager ». Ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire, Dominique. Donc, je te Je te remercie remercie. vraiment, vraiment pour ça. Oui. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent des questions sur la forme de la formation. Est-ce que c'est simple à suivre? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, qui se disent c'est une formation en ligne, est-ce que je vais réussir à accéder aux vidéos, etc. Est-ce que ça a été simple pour toi de suivre la formation, de faire les exercices, de regarder les vidéos, tout ça? Alors, au départ, eh ben, moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes avec l'outil informatique, hein. J'ai 58 ans, j'ai pas grandi avec. Oui, ça a été compliqué au départ. Et puis je me suis dit, bah, je vais imprimer tout ce que Mathieu, tous les cours qu'il donne, et bah, je vais les imprimer. J'ai donc, et bah, fait comme si je lisais, puisque, bah, dans ta formation, et bah, à côté, tu as un descriptif de tout ce que tu dis, tu as tous tes mots qui sont, hein, Tout est je ne sais transcrit, plus ouais. comment ça s'appelle. Voilà, toutes tes transcriptions, et je les ai suivies à la lettre. Et j'ai fait les exercices, bah, tels que tu les dis, aussi bien verbalement que par écrit. J'ai tout suivi, bah, d'une manière très scolaire. Et j'ai forcément pas eu de peine à suivre, parce que je ne suis pas non plus un génie, hein, quoi, je ne pense pas. Et bah, j'ai réussi. Donc si moi j'ai réussi, bah, je me dis que, bah, certainement il y a d'autres personnes aussi qui peuvent réussir. Je voyais les gens qui étaient autour de toi, qui étaient, bah, soit ingénieurs, soit qui travaillaient dans des trucs d'édition. Et puis moi qui étais chômeur, qui travaillais dans une usine à livrer des poteaux avec mon camion, je me disais, bah, ce n'est pas pour moi. Et pourtant, et bah, je l'ai fait. Tu vois, donc c'est bien à la portée de, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Parce que tu es une personne et qui, justement, tu le dis dans ta présentation, tu as par ta formation d'ingénieur, tu sais parler aux gens, tu peux leur apporter aussi le petit truc qui manque, le petit déclic qui manque, et puis parce que, ben, aussi, comme dans toutes les formations qu'on fait en ligne, eh ben, il faut avoir un minimum de confiance. Au moins, si on n'a pas tout à fait confiance en soi, eh ben, on doit avoir confiance en son prof. Et moi, eh ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai remis ma confiance
dans tes vidéos, dans tes paroles et dans tes écrits, parce qu'il y a aussi par écrit, et ben, on y arrive très facilement, très facilement. Voilà. Il y a juste à se laisser guider. Si tu compares le Dominique d'avant la formation et le Dominique d'aujourd'hui en octobre, enfin en novembre, le 1er novembre 2018, Oui. c'est comment? Eh ben, c'est facile pour moi de le dire. C'est que en le 1er octobre 2017, par exemple, eh ben, ça allait pas du tout. Et puis en 2018, eh ben, j'ai mon cabinet. Je parle de choses matérielles, hein. J'ai Ouais. mon cabinet. Je peux vivre de mon activité nouvelle. Je Sentimentalement, eh ben, je vis avec une personne eh ben, qui me va tout à fait bien. Ça m'a ouvert aussi au niveau sentimental. J'ai retrouvé ma famille qui m'avait tourné le dos à la suite de mon divorce. Eh ben, j'ai pu la retrouver. Voilà. On le voit pas, mais il y a mon fils qui est avec moi. Ouais, c'est Il y fort. a, tu vois, tout ça, c'est que du bonheur. Ça ne m'a apporté que du plus. Que du D'accord. plus. Voilà. Donc, Le fait que je c'est... sois. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Le fait que je sois hypnothérapeute, et ben peut-être aussi à amener de l'eau dans mon moulin, mais il n'y a Bien pas que sûr. ça. L'étincelle de départ, c'est quand même toi qui me l'as donnée. D'accord. Bah écoute, Voilà. merci, je peux pas te dire plus que qu'un simple merci pour ce retour d'expérience. J'ai rien à rajouter. Je pense que C'est les moi. personnes qui regardent ton témoignage vont être touchées par ce que tu dis, par ton expérience, et tu vas peut-être être la personne qui va permettre à d'autres personnes justement de passer à l'action et de créer cette petite étincelle dans leur vie. Et bah voilà, c'est tout ce que je souhaite aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est que chacun à notre échelle, on puisse insuffler une petite étincelle à chaque personne et que chaque personne puisse, comme tu l'as fait, changer de vie dans tous les domaines, que ce soit familial, amoureux, professionnel, spirituel, j'imagine même et personnel en fait. Après, Bien ça touche à sûr, toutes les dimensions de la vie. bien sûr, ça touche toutes les dimensions de la vie. D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui seraient intéressées pour rejoindre la formation Les 7 clés de la réussite, vous avez un bouton qui est disponible sur cette page, soit au-dessus de la vidéo, soit en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton, de vous inscrire à la formation et vous pourrez commencer immédiatement la formation parce que c'est la magie des formations en ligne. Dès que vous êtes inscrit, vous recevez un email et vous pouvez commencer la formation. Merci beaucoup Dominique pour ce témoignage. C'est moi qui te remercie.